The world is changing. The planet's heating up. What the fuck is going on? Rearranging. It's like everything happened all at once. What the fuck is going on? The people rising in the streets. The war, the drought. The more I look, the more I see nothing to joke about. Is comedy over? Should I leave you alone? Cause really, who's gonna go for joking at a time like this? Should I be joking at a time like this? I wanna help to leave this world better than I found it. And I fear that comedy won't help, and the fear is not unfounded. Should I stop trying to be funny? Should I give away my money? No. What do I do? Healing the world with comedy. The indescribable power of your comedy. The world needs direction from a white guy like me. Bingo. Who is healing the world with comedy. That's it. The world is so fucked up. Systematic oppression. Income inequality. The other stuff. And there's only one thing that I can do about it. While being paid and being the center of attention. Healing the world with comedy, making a literal difference metaphorically. A Jew walks into a bar and I've saved him a seat. That's healing the world with comedy. I'm a special kind of white guy. I self-reflected and I wanna be an agent of change. So I am gonna use my privilege for the good. Very cool, way to go! American white guys, we've had the floor for at least 400 years. So maybe I should just shut the fuck up. I'm bored. I don't wanna do that. Gotta be another way, yes, for me to help out without standing on the sidelines. Never. The wait is over. I'm white and I'm here to save the day. Lord help me channel Sandra Bullock in The Blind Side. Sandra Bullock. Healing the world with comedy, making a literal difference metaphorically. And yes, most likely wake up in a house that's full of smoke, don't panic. Call me and I'll tell you a joke. If you see white men dressed in white cloaks, don't panic. Call me and I'll tell you a joke. Oh shit, should I be joking at a time like this? If you start to smell burning toast, you're having a stroke or overcooking your toast. If you wake up in a house that's full of smoke, don't panic. Call me and I'll tell you a joke. If you see white men dressed in white cloaks, don't panic. Call me and I'll tell you a joke. Oh shit. Should I be joking at a time like this? Somebody help me out, cause I don't know. And I wanna help to leave this world better than I found it. And I fear that comedy won't help, and the fear is not unfounded. Should I stop trying to be funny? Should I give away my money? No. I know what I gotta do. Healing the world with comedy. Making a literal difference.
Welcome to the internet. Have a look around. Anything that brain of yours can think of can be found. We've got mountains of content, some better, some worse. If none of it's of interest to you, you'd be the first. Welcome to the internet. Come and take a seat. Would you like to see the news or any famous women's feet? There's no need to panic. This isn't a test. Just nod or shake your head and we'll do the rest. Welcome to the internet. What would you prefer? Would you like to fight for civil rights or tweet a racial slur? Be happy, be horny, be bursting with rage. We got a million different ways to engage. Welcome to the internet. Put your cares aside. Here's a tip for straining pasta. Here's a 9-year-old who died. We got movies and doctors and fantasy sports and a bunch of colored pencil drawings of all the different characters in Harry Potter fucking each other. Welcome to the internet. Hold on to your socks, cause a random guy just kindly sent you photos of his cock. They are grainy and off-putting. He just sent you more. Don't act surprised, you know you like it, you whore. See a man beheaded, get offended, see a shrink. Show us pictures of your children, tell us every thought you think. Start a rumor, buy a broomer, send a death threat to a boomer, or DM a girl and groomer, do a zoomer, find a tumor in your. Here's a healthy breakfast option. You should kill your mom. Here's why women never fuck you. Here's how you can build a bomb. Which Power Ranger are you? Take this quirky quiz. Obama sent the immigrants to vaccinate your kids. Could I interest you in everything, all of the time? A little bit of everything, all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything, all of the time. Could I interest you in everything, all of the time? A little bit of everything, all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything, all of the time. You know, it wasn't always like this. Not very long ago, just before your time, right before the towers fell, circa 99, this was catalogs, travel blogs, a chat room or two. We set our sights and spent our nights waiting for you, you, insatiable you. Mommy let you use her iPad. You were barely two, and it did all the things we designed it to do. Now look at you. Oh. Look at you. 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 Unstoppable. Watchable. Your time is now. Your insides out. Honey, how you grew. And if we stick together, who knows what we'll do. It was always the plan to put the world in your hand. Could I interest you in everything all of the time? A bit of everything all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything all of the time. Could I interest you in everything all of the time? A little bit of everything all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything and anything and everything and anything and everything and all of the time. End of the time! Salutation! Comment que ça va? Comment que ça va? Hop là! On va mettre celle-là plutôt. Bon, bonne âme toujours. Comment que ça va tout le monde? Salutation. Peut-être le son est un peu trop fort de mon micro, je sais pas. Je sais pas!
Ça va, bah moi ça va bien mec. Comment ça va? Elle s'est passée correctement la journée, tranquillou? Pas de problématique particulière? Tranquillou, nickel. Le son, la musique pas trop fort, je vais baisser après comme on va rentrer in game. C'est juste le temps que je lance le jeu. Comme ça, nickel. On reste sur le thème. Par contre, j'ai pas de musique. Enfin, je dois avoir une musique pour le niveau 2, mais c'est de la. C'est du foutage de tête, tu vois, donc. Let's go. Ok. Hop là. Salutations. Ça arrive. Je vais mettre la musique Spotify en même temps, comme ça, pour ceux qui veulent gratter. Même si normalement, il n'y aura pas besoin. Le temps que ça se lance tranquillement. Pour l'instant, je vais baisser la musique. On va la remonter après. Il y a un chat vocal in-game apparemment, on n'a jamais essayé Echo, hein. Un chat vocal in-game apparemment. Je viens de voir dans les paramètres, garde les autres. Option là, chat vocal. Alors désactivé, hein. Écoute. Nickel. Faut qu'on essaye. Bah mec, en vrai, on n'avait pas essayé une seule fois. D'ailleurs, une seule fois c'était nul. Du coup on avait arrêté. Ah, avec les distances, ouais, c'est ça. Du coup, qu'est-ce qu'il y a de prévu aujourd'hui là, tranquille bilou? En solo parce que Echo, je l'aime pas. Par la commune, du coup, on a d'abord Inside, ok. La musique qu'on écoute actuellement de Bob Burnham qui a fait l'album qui s'appelle Inside, justement. On va faire des musiques qui sont dans l'album, qui ont été remixées par un fan. Check de proxy supérieur all. Ouais, bah pas sur Phasmophobia en tout cas. Je préfère les Tokis. Je préfère les Tokis sur Phasmo. Et Exorcist, juste après, si ça va assez vite. Bon, j'ai confiance en mon niveau. Hein. Après, si besoin, Echo, pour la prochaine fois, t'as vu? Là, il y a le map de Phasmo. On avait regardé un petit peu. Need to Talk, qu'on avait déjà fait, faut qu'on la refasse parce qu'on s'en souvient plus, je pense. C'est pas comme tu veux. Edgar Allan Poe, je l'ai pas fait du tout. Color Wheel, ça serait cool à faire. Ma banque, que je vais pas faire parce que ça n'aurait aucun sens. Charlington, on l'a fait ensemble, mais ça avait bugué. Astéroïde, faut qu'on la fasse ensemble aussi. Collab, on l'a terminé. Little Emily. Tu l'as fait, donc j'ai besoin de le faire. Donc Exorcist et Inside. Inside d'abord. Oh, petite journée tranquille au bilou là. Peut-être que je peux lever un petit peu la caméra. Nickel. Le son est nickel, y a pas de souci particulier. Après quand on va rentrer in-game, il y aura le son du jeu, donc ce sera encore autre chose. C'est top. Nickel mec, je t'aime. Hop. La Phasmo, je veux faire ça. Tu veux la faire la Phasmo? Bah tu pourras la faire avec Echo si tu veux. Là, celle-là, si t'as besoin. Après je sais pas si c'est solo ou duo. Mais si besoin tu pourras prendre le jeu pour jouer avec Echo, ouais. Enfin si Echo veut bien après. Allez, on va lancer ça. All eyes on me. On a déjà fait Phasmo Echo. Toi qui n'as pas le jeu, tu pourras le faire. Je veux dire, comme si tu pourras jouer à la map Phasmo. Une fois sans le jeu. C'est nickel. Get out! J'entends Echo, fuck off! Bah, c'est pas une question d'avoir les refs, Echo. Oui, Phasmophobia, mec, ils te mettent la première maison du jeu. Et ensuite, après on sait pas si c'est solo duo, attention, on sait jamais. Hein. Mais si c'est duo, Echo, c'est la même maison que ce qu'on a fait en live avec Flouche. Donc la petite maison toute nulle là, une personne. Et après bon, c'est Escape Game, hein, donc techniquement ce sera pas... Ah bah c'est la musique qu'on était écouté avant mais en beaucoup plus lent. C'est Welcome to the Internet. Tu reconnais? Mais en beaucoup plus lent.
Par contre, le son va très fort, donc je dois le monter très haut. Ta 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 ta. Je baisse un petit peu peut-être. All of the time. Cet escape game utilise le son et la musique qui sont contrôlés dans les audio sections. Nickel là. Les deux sont optionnels, mais très recommandés, effectivement. inspiration de les original audio clips. Ok, donc là il a recréé les musiques du coup de l'album. Donc j'ai écouté l'album exprès pour ça, entièrement en tout cas. Hein. J'avais déjà écouté des musiques. Hein. Vous avez vu quelques musiques au début hein, pour voir un petit peu ce que ça donnait par rapport à la thématique du personnage, parce que c'est un artiste qui est très particulier, qui fait des musiques particulièrement spéciales, on va le dire comme ça. Il a son style. Je vais pas dire fuck la société, mais non. juste avant, je vais enlever ça, parce que ça gâche un petit peu l'écran, vu qu'il n'y a pas besoin. Tac. If you know, bro... si tu es Bob Burnham, ok. Please put in a good force for me. Ok, nickel. Ok. Last but not least, thank you for checking out my first escape room. Ok, donc sa première escape room, nickel. Oh no, you're stuck. Please escape pack to become unstuck. Or maybe just. Press the keypad to become unstuck. Où est le keypad? Bah là du coup. Ah bah oui. Ok nickel. Donc c'est carrément sur les boutons. On va jouer là-dessus les gars. Hein. C'est beaucoup plus technique que d'habitude. Et les items ils sont... Enfin c'est des items dans des items, tu vois ce que je veux dire. Il emplace toujours les trois effets qu'il utilise Bob Burnham pour faire ses musiques dans son petit studio. Alors avant de commencer, il y a quelques mises à jour qui ont été effectuées en multijoueur. Donc on peut jouer en multijoueur. Mais bon, du coup il voulait que je fasse tout ça parce que j'avais plus ses références musicales que lui. Le téléphone n'est pas remis entre les deux joueurs en fait. Et ça marche mieux pour l'autre. Donc techniquement c'est mieux de le faire solo effectivement, t'as bien vu Echo. Ok. Alors, bienvenue dans Inside, donc c'est le nom de l'album. Une escape game inspirée de Bob Burnham en 2021. Parce que, effectivement, l'album Inside de Bob Burnham, c'était sur Netflix. C'était un show Netflix. C'est tout. Hein. C'était un documentaire, il me semble, je n'ai pas regardé. Hein. J'avais pas Netflix à cette époque. Oh la honte. Pas besoin de prérequis, mais bon, c'est familier si on connaît un petit peu. On va continuer. Ah! Je me suis fait avoir comme un nouveau. Ok, donc là où est-ce qu'on est? C'est un petit peu sombre. Il me semble qu'on est dans son studio. On est autre part là. Ok, ça s'éclaircit. Donc là, on a justement un code barre déjà avec le Roi Lion. Et des multiprises, on va faire de la musique. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est la musique, je comprenais pas. On va baisser un peu. Nickel. Là, j'étais pas bien, je comprenais pas, il commence à faire tout noir. Il y a GTA. Mais c'est trop bien foutu. Franchement, c'est trop bien foutu, gros. Ah. Alors on a le jeu GTA, alors pourquoi? En tout cas c'est bien foutu, hein. Il y a même la pochette derrière. Franchement bien foutu. Donc là du coup, bah... c'est titre, qu'est-ce que je dis? Girl boss shirt, just a girl house building her empire. Ok. Ça marche, en tout cas c'est bien foutu, on peut les remettre à leur place. On a un optique de caméra. Nickel. Echo il commence à daber et tout, calme-toi Echo, ça va aller. Magic matches. Alors du coup on a des allumettes, ça marche. Alors à quoi ça sert pour l'instant? Pas grand chose, après si on peut faire frotter un objet comme ça dessus ce serait bien, on va voir. Pour l'instant on peut... Oh là.
Ah, c'est pour les solutions, ok. Nickel. Alors là, du coup, il y a une allumette. Deux allumettes. Trois allumettes. Ok. La poubelle est vide pour l'instant. Donc là, on a besoin de trouver des citrouilles. Ah, une énigme avec des citrouilles. C'est moi le dab. Bah écoute, mec. Complètement. Par contre, il n'y a plus de musique là-haut. Ah, du coup, il a une photo de Bob Burnham dans son studio, ok. J'ai l'impression que le son a complètement baissé, qu'il n'y a plus rien. Music, please. C'est le thème de la map. Alors, dans le frigo, il a rien. Un avocat. Alors, il me semble que la personne qui a fait ça. Faut un avocado, ouais. Ah, le son est revenu. Ok, je connais pas toutes les musiques, hein. Mon dieu. Ok. Là du coup on a le trépied, nickel. Hop, donc trépied plus justement appareil, justement appareil photo, hop, nickel, plus l'optique de vue, nickel. Il faut que tout ça soit... Alors pourquoi on a deux optiques? Ah bah ici du coup, oui autant pour moi. Hop, alors je pense qu'on va reconstituer justement son studio. Pas de lumière. Là-bas du coup. Ah, ok, j'ai capté, c'est bon. On avait dit pas de lumière. Ah bah oui, bah j'ai la clé du coup, nickel. Mirror Ball Key. Alors, Mirror Ball Key... Miroir Ballon Clé. Je dis comme ça s'écrit, hein. Waouh. Alors du coup, maintenant, il faut trouver comment éteindre la lumière. Parce que là, du coup, c'est encore autre chose. Alors du coup j'ai récupéré des pales, un ventilateur, ok. C'est bien foutu hein. Mais c'est tellement cool Echo, t'as vu ça? J'accompagne. Non, j'ai coupé son flou. Pumpkin Candle. Alors, on a la citrouille en forme de bougie. Je pense qu'il faut l'allumer du coup, ça paraît logique. Hop là, 7-3-3-4, ok nickel. Reste la petite bougie. 7-3-3-4. En tout cas, le fond de l'Escape Games reste toujours la même musique. Welcome to the Internet. La citrouille en forme de bougie, hein. Bah c'est la citrouille bougie. Toujours elle se plaint, flouche. Après on a le Roi Lion. Apparemment c'est un indice pour plus tard. Y a pas des câbles à mettre directement. Sacré piano Yama quand même. Enfin sacré synthé Yama. Il me faut le même. T'entends Echo, il me faut le même. Alors sous la table il y a 110. Important jokes that will help everyone. Ok, des blagues importantes qui aideront tout le monde. On a plus de batterie. C'est pour ça du coup les câbles. Bon je pense pas autant de câbles pour un téléphone. Oula. Alors, il donne des codes à essayer, on va tous les essayer. 011. C'est pas ça. 101. Non. Et du coup, si on fait 110, c'est pas bon non plus. Du coup, si c'est vraiment du binaire, il nous manque le 01. Il nous manque le 10. 0. Il nous manque le 1111. Attends. 000 001 0010 00100. OK, 101, on l'a déjà fait. 110, il l'a déjà. 111. J'en ai loupé plein. Non, c'est pourtant que je n'ai pas fait. Merde. 001 0010 0011 00100 00101 110
101. Ok, c'est pas ça. Ou alors c'est... Non, parce que ça fait 202. Bon, faut que je trouve une énigme par rapport à ça. Je retrouverai plus tard, c'est pas grave. Oh! À chaque fois que je prends un item, il y a de la musique. Bah, si j'additionne, ça fait... De haut en bas ou de gauche à droite, hein, ça fait toujours 222. C'est fait exprès. 222, du coup, je me fais avoir. Parce que ça n'a pas marché. Le stream l'arrête là pour aujourd'hui, c'est parti. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que vous avez beaucoup apprécié, que le live était cool, la musique était bien. N'hésitez pas à regarder le prochain live qui va suivre, c'est à quelle heure, je regarde un petit peu. C'est pas grave, on s'en fiche un petit peu. Et puis de toute façon, je suis plus là dans 2 jours parce que j'arrête le stream totalement. Au niveau de Inside, j'espère que vous écouterez l'album. Salutations à vous, à la prochaine. J'espère que vous aimerez les prochaines vidéos qu'Echo fera parce que je ne serai sûrement plus là pour les apprécier. Allez, salut! Bah ouais, frérot, mais c'est chiant aussi! Merde! Et quoi, tu fais exprès, tu me caches mon plaisir! Bah ouais, mais bon, trop long la blague! Bah ouais! Le problème, c'est que c'est trop long! Call me. Mom. On a une laser box. Oh, c'est pour faire les... Nice, oh. Laser box, ok. Alors, on va la mettre... Je sais pas où. Pas très important pour l'instant. La photo change depuis tout à l'heure. Hein. 0,11, 110. 0,10. 100. Le téléphone ne s'allume plus, il n'y a plus de batterie. Oh là, le placement de produit. Aïe, 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 aïe. Il n'y a plus de batterie du tout. Oh. Ah oui, oh, attends, attends. Puzzle 2, main theme. Donc là, du coup, écoute, tu vois, comme je t'expliquais la dernière fois, là, il te donne les notes. Hop, entre les deux. Ça peut se mettre également sur les touches. Et quand c'est sur la première ligne, comme ça, c'est le mi. Mi, ré, fa, sol, la, si. Et ça continue. Donc là, du coup, tu as les demi-tons qui font les touches un peu au-dessus. C'est pour ça qu'on appelle ça les demi-tons. Et il y a aussi les touches un petit peu en dessous, c'est les dièses comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu as B hashtag. Donc en touche normale, ce serait B demi-ton. Je trouve plus, j'ai oublié. Pour ça que je pratique très peu. Donc là, du coup, ce serait mi, fa, sol, la, si. Si, si dièse. Enfin, dièse, si. La, dièse, la. Les demi-tons à la maillot, exactement flush. Ça, c'est quelqu'un qui a du goût. Alors, du coup, faut que je retrouve à partir de quand c'est. Parce que là, demi-ton, on peut toucher toutes les touches. Nice. Mi, fa, sol, la, si. Mi, fa, sol, la, si. Ça commence là. Ouais, non, mais écho, le clip, t'as des... C'est pas grave, je referai après la rediff, écho, y a pas de souci. Donc ce serait... mi, fa, sol, la, si. Non. Attends. Y a un problème. J'ai mal foutu mon machin. Oh, la honte. Normalement, un mec qui s'y connaît mieux... Heureusement que je fais beaucoup de piano. Enfin, j'en fais beaucoup. J'en fais... Hein. Mais ça, à pas en voir de temps en temps, et savoir comment ça fonctionne en gros. Moi, ils ont plantes sur le tel, ça prend 1000 ans. Aïe, 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 aïe. Mais c'est un mal écho. Sur le tel, il y a beaucoup de problèmes quand tu prends des clips sur Twitch. T'inquiète pas, j'ai le même problème. Du coup, techniquement. En plus, ils disent pas sur quel. Si, ils disent. Ils disent, ils disent. Demi-ton au-dessus. Attends, mais j'ai fait une couille, j'ai commencé où là? Ça du coup.
Non, je me loupe quelque part, attends. Toujours cette chemise là. Y a plus de musique. Je me sens seul sans musique. Je vais remettre de la musique. Son album en plus, c'est quoi? Je fais de la pub et de la promo. C'est fou, on va mettre autre chose. Ah, c'est loch. Oula. Il y a une chaussette qui est découpée. Il est malade ce gars. I've been where I always am when you're not wearing me on your hand. In a frightening liminal space. J'ai un microphone pour plus tard, ok. Not quite dead, not quite alive. It's similar to a constant state of sleep paralysis. Sokka, we were just talking about the world and how it works. Alors, on a plusieurs vêtements. Donc là, on n'avait rien. Le chargeur de téléphone. Ah, le dessert. Viens là, téléphone, viens là. Là. Let's go. Donc le temps qu'il recharge, parce que j'imagine qu'il n'y a pas rechargé en 3 secondes. C'est un iPhone quand même. Un tape mesure. C'est un Bono. Ok. Donc là, du coup, on a le four. On est bon. On tire les... enfin, on fait les tiroirs. Ah, par contre, j'ai pas remarqué ça. On mange pas. Un avocat, du coup. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre dans les placards? On peut pas sauter, c'est vrai, on peut pas sauter. Y'a rien dans la haute. Non plus, ok. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Qu'est-ce qui se passerait si les chiens pouvaient fumer? Peut-être baisser un peu ça. C'est quoi, je vais mettre que des musiques de son album en fait, je suis un malade. On va mettre laquelle? Bon, c'est là. Let's go. So, il te donne les notes là en plus sur les côtés. Donc là, si tu t'y connais pas, tu peux savoir. Je vais m'aider un petit peu parce que je suis une merde. Donc là, B, du coup, ça a dernière note. Donc là, il n'y avait pas de soucis, j'ai pas dit de bêtises. B, le hashtag au-dessus, c'est hashtag C, du coup, si je ne fais pas de bêtises. Non. Oui, c'est ça, hashtag C. Hein. Mais non, pas de strike soon, les cons. Mais non. Donc du coup, on était bien sur cette tonne-là. Un truc qui embête un peu, c'est que le demi-ton peut pas... Hey everyone, look who stopped by to say hello. It's Sokko. B, ouais. Mais c'est la chaussette du coup, c'est la musique de la chaussette qu'on a vue tout à l'heure. Mon dieu. B du coup, donc c'est la dernière touche comme j'avais indiqué, le demi-ton au-dessus en dièse. 2, 2, 2, 3. Donc c'est un C-hashtag, effectivement, le C-hashtag c'est le demi-ton au-dessus. Ouais, donc si, j'avais raison. Demi-ton au-dessus, ensuite c'est la touche avant-dernière, du coup c'est le D, exactement, donc ça touche juste après. Ah, j'avais mis le F moi, enfin j'avais mis le E, c'est pour ça. D, ensuite c'est D demi-ton, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Ensuite, c'est la touche E. Et ensuite, c'est F. Attends.
The global network of capital essentially functions to separate the worker from the means of production. Je fais une faute quelque part, attendez. Private property is inherently theft. Neoliberal fascism. C'est le D, ensuite après le D, effectivement, donc des hashtags. Ah bah oui. C'est C hashtag, D, D hashtag. Je suis bête. Et ensuite c'est EF. Donc, on disait. Hop. Hop. Ça me gêne la musique, j'arrive plus à réfléchir. Mon dieu! Echo, arrête tout, tout, arrête tout! Donc ça commence, on est reparti. Dernière note, donc c'est la douche B. B, ensuite c'est le C hashtag, D, D hashtag, EF. Donc. On disait B, C hashtag. D hashtag EF. Ah, on l'a. Prenez une photo de son studio. Je pense qu'on va reconstituer son studio avec des pièces de puzzle. Ce serait plus simple et plus logique, je pense. A bit of everything, all of the time. Le téléphone se recharge, donc on a dit que c'était un vrai téléphone. Hein. J'ai quelques bouts de puzzle, donc là j'en ai deux. L'allumette, j'en ai toujours. Je sais pas à quoi ça sert, du coup, je vais les récupérer quand même. All of the time. Donc, du coup, carnet plus vase avec le logo Twitter dessus, avec le carnet. Ça donne alors 0,11 plus 101, ça fait 112. 112 plus le carnet qui est à 110, ça fait 222. Encore, ça fait beaucoup là, non? Et du coup, ça, on le rentre où, 222? On va d'abord essayer de mettre la loupiote. Où est-ce qu'elle était, ma loupiote? Ah, le micro. je vais la loupiote, effectivement. Donc là, j'ai le boîtier. Il faut que je fasse... je dirais vert, bleu, rouge, et que ça se suive. Ok, pas de lumière. Qu'est-ce que ça et pas de bobard, hein. Mon dieu. Mais c'est ça qu'on a écouté tout à l'heure, ça, en plus, comédie. On avait une pièce, là. J'ai même pas vu. Let's go. C'est qui vient de pop. Donc, là, on arrive sur la quatrième partie. Il faut qu'on recharge le téléphone à fond, qu'on allume l'application Meet. Alors, on est, vous voyez, on va super vite, hein. On l'allume. Meet. Le numéro de maman, du coup, qui veut nous appeler. 867... 5309. 867, 5309. Je sais déjà plus. 867, 5309. Allez dans le chat là, tapez, tapez, j'ai besoin d'aide là. J'ai une mauvaise mémoire. 867, 5309. 867, 5309. Je crois. Ah, nickel, merci Echo. Voilà, mais en plus c'est bien foutu, hein. On dirait pas, mais merci les gars, merci, merci, merci. J'appelle pour lui raccrocher au nez, t'imagines toi? Il me faut pas ça du coup, il me faut simplement la lumière bleue. La lumière. Où est la lumière? Je pense que je dois la débloquer. Bah là-bas, du coup, salut lumière. Tu veux de l'aide? Allez. Lumière, s'il vous plaît. Faut que je tourne dans la cuisine avec maman? Donc c'était 867 5309. Merde. On essaie plus de Vincent. Eh oui, Flouche. Comme tu dis si bien. Vincent. 5309. On appelle maman. Allô? Est-ce qu'on peut prendre une vidéo? S'il vous plaît. Donc là du coup, il y a un bouton dessus.
Ça n'appuie pas sur le bouton aussi. Varice de bouton. Show me, show me, show me, show me. Bouton, s'il vous plaît. Allô, allô. Ah, c'est sur le téléphone, il y a un bouton. Attends, attends, attends. Toujours en appel, vous inquiétez pas. Couleur bleue. On va rappeler maman, on sait jamais. 867, 5309. Let's go. Écoute maman, écoute. C'est ton chanteur préféré. Let's go. Tous les murs ont été repeints, hein. C'est un puits de lumière là, hein. C'est vraiment tous les murs ont été repeints. Mais toutes les... Enfin, tous les éléments qu'on récupère ont des rapports avec leur mélodie, enfin, avec sa mélodie, c'est cool. A FaceTime with my mom tonight. Let's go. Donc là, il faut qu'on mette la lumière en orange. En vrai, je m'amuse de ouf sur cette map. Je sais pas vous, mais moi, je m'amuse de fou. Vous voyez, là, en plus, il met ses clips à chaque fois. Le clip qu'on va jouer, justement. Donc là, du coup, le clip orange, c'est celui-là. Je connais pas du tout le nom. Oh, the world works. Bon, voilà, vous avez le nom. Le téléphone. Du coup, lumière orange ici. Mais je vous dis, tous les murs sont repeints à chaque fois, c'est chaud. Et on a récupéré, justement, un t-shirt. Il faut monter la lumière vers le haut. Pas comme Echo, il me fait. Vers le haut, s'il vous plaît. Allô, en haut. Ok. Bouton. Alors ça, on va juste le décaler un petit peu. Oh, la chaussette. Comment elle s'appelle, la chaussette, déjà? Soko. S-O-C-K-O. Allez, C-K-O. En plus, on l'écoutait avant. The world works. Ah, let's go, Soko. Ça. Mais celui qui est animé, c'est un monstre, hein. Je dis rien, mais. Ah là, contre le mur. Nice. À la fin, je vous dis, là, on récupère les pochettes de l'album. Donc, il y aura 9 blocs à récupérer. On est à combien là? 1, 2, 3, 4, 5. 5 étapes sur 9. On est à la 6ème. Donc, ouais, on va refaire l'album avec les 6 pièces de puzzle. Let's go. Là du coup, lumière éteinte. Ah. Je sais plus quand c'est éteint du coup. Oui, comme ça. Pas de lumière. Pas de... Alors, on va... En plus c'est bien parce qu'on contrôle le truc, le téléphone. Pas de lumière spéciale, donc il doit faire tout noir, nickel. Pas de boule à facettes, on est bon. Donc on a réglisse. Faut que je trouve cette réglisse. C'est le seul que j'ai pas trouvé pour l'instant. Donc là on a de citrouille pour ce qui est à droite. Oui, là parce qu'il me demande les différentes chemises. Ok. Donc on a l'avocat. On a haute mille. Ah, on va jouer cette musique là, ok. Et en fait, ce que j'aime bien chez ce mec là, c'est qu'il a un petit studio, t'as vu. Il tourne tous ses clips dedans. Et à chaque fois qu'il tourne, on dirait que c'est une autre maison. Genre. Enfin, à chaque fois, il y a une ambiance spéciale. Je récupère le t-shirt. Hop. Notre t-shirt à récupérer, on est bon. J'ai cru voir des albums disparaître là. Oh, il en reste plus. Tiens, et c'est la Lollipop. Yes! Donc il faut se dire, sur l'étagère c'est Lollipop, hop, hop, ah oui, il faut qu'on déplace à chaque fois, ok. Donc Lollipop, on avait dit Hotmail, et puis Avocat, on rush les gars, on rush, hein. Un niveau en dessous, on reprend, Hotmail, Avocat, Lollipop, je vous dis, ça trace très très vite, mais le jeu est insane, enfin, la map est insane pour le coup.
Non, pas ça. Ah si, lollipop au milieu, avocado à gauche, oatmeal à droite. Avocado, il s'enfuit où, là? Avocado? Ah, et là, on reconstitue la pièce. Oh, bien, j'ai pas vu ça. Inside, c'est à droite, le 2. La pièce, c'est en bas. Ça, on va le jeter, pour l'instant, ça sert à rien. Le roi lion aussi. Ça, c'est en haut. Son studio, ici. Ça doit être là. Ah, comme ça. Il manque quelques pièces. Donc les allumettes, pour l'instant, ça me sert à rien. Les prises, on va les mettre là pour l'instant. Le paquet de chips, ça sert à rien. Par contre, l'avocat, il m'est passé sous le nez, là. Où est-ce qu'il est parti? Avocat? Ah. Ah, et on peut le faire respawn, je crois, s'il est bloqué, non? C'était marqué need. Non. Je crois qu'il est parti dans le mur. Et je n'arrive pas à le récupérer. J'ai voulu trop vite tous les prendre d'un coup. Parce que, à la limite, on peut recommencer, ça va aller vite. Donc là, on a encore un t-shirt en plus. Est-ce qu'il a pas respawn quelque part ailleurs? Je sais pas trop. Ok. Ça passe pas très à la porte comme ça. Ok, c'est pas. On va la recommencer. Des fois, ils respawnent pas loin. Après, la map est pas très grande, hein. On va faire tous les tiroirs. Ok, il n'y a rien, lumière, il n'y a rien, sous les vêtements, il n'y a rien, mais j'ai tous les vêtements, donc nickel. Ah, j'ai vu le micro, non. Là-bas, il n'y a rien du tout. Lumière, ça sera plus simple que la lumière. Là-dedans, il n'y a rien. Ici, non, dans les toilettes, non plus. Non, pour moi, il faut recommencer la game. Pour moi, c'est complètement perdu, j'ai fait une mauvaise manip, il a disparu. Bah, l'endroit où j'étais quand j'ai spawn, c'était ici, ici. Donc il n'y avait rien du coup. Et l'endroit où il a spawn, c'était là malheureusement. Et il n'y est pas. C'est pas grave, on va recommencer, ça prend quelques instants. On connaît la map. On connaît la map, on connaît la map. Du coup, on va se rappeler toutes les musiques. Mais vous voyez, la musique qui vient d'être chantée là. How the world works. Oh, the. How the world works. We were here, ok. Donc du coup, ça va fonctionner, il n'y a pas de souci. On va le refaire rapidement, on aura toutes les musiques une nouvelle fois. It's how the world works. Hey. Le temps que ça charge, toujours, on connaît Escape Game Simulator. Quake, quake. It's how the world works. On va pouvoir redanser sur les musiques de Bob Burnham. Donc là pour l'instant, on découvre le mot de passe. Ça c'était, je sais plus, là c'était 222. Il n'y a pas encore de mot de passe. D'ailleurs, ouais, il n'y a pas encore de mot de passe là quand il pense. Hein. Ah bah, il y a des mots de passe. Ça y est. Alors là, du coup, on avait dit. Allumettes, merci, les bougies apparaissent, on a le focus pour l'écran, la bougie, viens la bougie, t'es où? Hop, donc 7, 3, 3, 4, nickel. Hop, on a les multiprises qui nous sont pas encore utiles pour l'instant. Et si c'était 222, nickel, donc là on a ça pour plus tard. Ça, on aura besoin pour maman tout à l'heure. On va récupérer ça. Les vêtements, on va tous les mettre là pour l'instant, dès qu'on en trouve un. Deux. Le troisième est là. Et le quatrième est caché. Pour plus tard. On va le brancher là. Tac. Oh.
Nickel. Bon, ça, le calendrier, on le fera plus tard. Tu vois, l'avocat, il était là, Ico. Donc là, du coup, il nous manque le focus. On éteint la lumière, on est bon. Étape 1 terminée. Nickel. Mirror ball. Daddy made you your favorite open wide. Here comes some content. Let's go. It's a beautiful day to stay inside. Deuxième, c'est la mélodie normalement, la note de musique sur le synthé. Nickel, donc on se souvient c'était... Ah merde, j'ai raté. Nickel. Hop, niveau 3, on est parti. Donc c'est bien qu'il y ait un petit coup de brume, parce que vous, ce que vous savez pas, c'est que quand on développe une map comme ça, normalement, le coup de brume, c'est pas pour déplacer un élément. Un coup de brume, alors, soit il avance un tout petit peu là, vu qu'il y a de l'épaisseur, ça peut se jouer, soit il nous TP sur une autre map. Mais ça me paraît bizarre de TP sur une autre map, parce que là, ça ne serait pas ouvert, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, il a pré-shot que ce serait ouvert, du coup, bon, c'est pas possible. Donc, le coup de brouillard, je pense... Ah, il déplace quelques objets, mais mis à part ça... Donc là, du coup, il nous faut, tac, les couleurs. Vert, bleu, rouge, on swap, on éteint la lumière. Let's go, on a le 2 de Inside. Là, on rush, les gars, moi, je vous le dis, on connaît. Hein. Le téléphone, il va bientôt être chargé, on pourra appeler maman. On a Soko qui sera juste là. I kill the world with comedy. Let's go. Du coup, la batterie. On arrive avec maman en FaceTime. Ça charge pile au bon moment. Excellent. Couleur, c'était bleu. Bleu. Maman en téléphone. Le numéro de téléphone que je vois. 867 50. Enfin, 5309. Merci les gars pour tout à l'heure. C'était nickel. Ça n'a pas changé quand même. Non. Alors qu'est-ce que j'ai loupé? Ah, pas de lumière, bah oui. Évident, évident, évident. Il se chauffe à chaque fois sur le synthé, hein. Ouais, 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 ouais. Pour me a drink and clear my schedule. I'm a FaceTime with my mom tonight. These 40 minutes are essential. Vous regardez tous ces clips, on a regardé que le 2. Hein. Pour voir si c'est vraiment comme ça que ces clips sont pris, mais je pense que oui, hein, vu qu'à chaque fois il les met là. Ah, c'est bien foutu, hein. Franchement, c'est super bien foutu. Je vais pas dire choqué, mais à deux doigts, tu sais. Donc là, du coup, on est reparti. Il faut qu'on... Alors, du coup, j'ai mon dernier t-shirt. Let's go. Ça, la chaussette s'appelle Soko. S-O-C-K-O. On va mettre un petit coup de Soko, là, en musique. Hey everyone. Look who stopped by to say hello. It's Soko. Soko. Ça, il faut la lumière. Alors, c'est vraiment, mais c'est fini. Il me faut la couleur orange. On est parti. Il faut être la lumière. Du coup, il a deux fois la musique. Ah, il a deux fois la musique. On va trop vite. It works, Soko. Let's go. Donc là, du coup, on arrive à l'endroit où on était buggé juste avant. Qu'on disait, pas de lumière, rien du tout. Par contre, ça, ouais, je vois. Ça, on coupe la lumière, tac. Dans le noir, pas de boule à facettes, pas de logiciel spécial, rien du tout. Il faut juste que je récupère la réglisse, du coup, ici même.
l'avocat qui est ici. Et là, je vais pas aller trop vite cette fois parce que j'ai pas envie que ça soit rebuggé comme avant. Le maître, on va le laisser là pour l'instant. Il me manquait le plat du coup. Donc c'est le plat au milieu, la sucette à droite, l'avocat à gauche. Non. Non, au contraire, c'est lollipop. Tac, tac. Étage numéro 2. Doucement, on y va doucement. Hein. Ensuite, c'est oatmeal, avocat, sucette. Hop, oatmeal, avocat, sucette. Nickel. Et à la fin, celui qui était bugué d'ailleurs, c'était avocat, sucette, oatmeal. Avocat, sucette, oatmeal. Nickel. On a encore des prises. Il faut qu'on décore. Wow, comme dans le clip, hein. Il nous manque la deuxième partie du coup. Mais c'est trop stylé. C'est trop bien foutu. Il nous manque une troisième de prise. Le carré noir. Le cercle noir. Qu'est-ce que je raconte? Du coup, techniquement, il faudrait que je... La couleur, elle change. C'est déjà, il me faut une troisième lumière, ça c'est normal. Comment j'obtiens la troisième lumière? Déjà pas comme ça, c'est certain. Ça me chiffonne un petit peu ces choses-là parce que je vois beaucoup de numéros. Mais c'est que les numéros à 3 chiffres et il me faut un numéro à 5 chiffres. Donc ce qui peut paraître un petit peu plus embêtant. Après. Citrouille. Donc faut que je fasse chemise. Compliqué ça. Comment il veut que je fasse ça? Bon, anyway, il me faut ça de toute façon. On va remettre un petit peu de ces musiques. Let's go! Qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? Donc là pour l'instant, le paquet de bungle ne sert pas à grand chose. C'était quoi ça? Il y a un mec qui est mort. Si on veut un autre maître, bah voilà, on a l'autre maître. Nickel. Bon, il est bugué, mais c'est pas grave, on l'a. Ah, allez. Ah non. Nice. Ah, je sais pas. Là, du coup, je sais toujours pas à quoi ça sert pour l'instant, ça. Magnet start. Ok. Ok, qu'est-ce qu'il y a dans les tiroirs là? Rien de spécial qui nous fait penser à ce qu'on doit trouver justement. La cuillère elle sert à rien pour l'instant, je pense. Peut-être ici. Pas encore, ça n'a pas encore servi ça. Le calendrier 2020. Franchement, je vois pas pour l'instant. Pourquoi est-ce que j'ai un signe sur le téléphone qui me permet de trouver? Méditation, c'est pas ça. Wow. C'est que des musiques, hein. Pour l'instant, c'est pas encore utile. Il me manque quand même une lumière. Hein. Est-ce que les jeux peuvent jouer par rapport à ce que j'ai trouvé, hein? Enfin, est-ce que les jeux. Parce que là, c'est marqué que ce sont des choses qui sont importantes. Parce que si je regarde là, il me demande de regarder au niveau. Petit oncle noir.
Il n'y a pas forcément quelque chose d'important sur celui-ci, par contre, les deux là, il me semble qu'il y a quelque chose qu'il faut pas louper. Si c'est ça, par contre, le mot de passe, 49524. Non, heureusement. ce sera pas ça. Faut que je tourne dans le bon sens. Allez. Je vais y arriver. Là, je tourne bien dans le bon sens. Là, c'est bon. Moi, je vois. Faites pareil. Vous allez voir. Non, pour l'instant, je vois pas forcément quelque chose en rapport avec les DVD. Après, 5, ça fait bizarre quand même. Est-ce qu'il faut que je mette un fond noir peut-être pour ce code-là? Après, il manque quand même une lumière, hein, c'est embêtant. Elle est pas cachée quelque part, lumière. Allô, lumière. Pas en haut, pas en bas. Pas à gauche, pas à droite. General's pop-up shop, Robert Iger's face. Discount at Sea Agitprop, Bugles take on race. Ah, let's go! Welcome! nice room. I'm enjoying it a lot. Nice songs. I love it. But I'm a bit stuck about this one. I don't understand how. I'm looking at the DVDs, but yeah, I mean, songs are insane. Okay, I don't need that lock yet. Okay. I'm just looking for the last light, you know, but I'm a bit stuck. The shirt somewhere? Okay. Because I'm looking at, it may be related to that, but okay. thanks. Okay. Donc on avait dit chemise noire. Après orange, donc c'est le dernier. Okay, let's go. Hop, on avait dit celui-là. Thanks, my bro. Nice. Thanks. I was a bit stuck. Is this heaven? Let's go. In fact, this is really well animated. Well played, bro. Nice. I did like one map and it was not animated at all. Your first map is insane. Insane. Well played, bro. Well played. Mon dieu. Inside, let's go. On a fait la moitié. Three more. Yeah, I know this is a lot of works. Yeah, I know. In one mouth, I did like one map with like 5 or 6 enigmas. And seems okay, but your map is really well done. A lot of animations, nice songs. You remastered them. How can it be better? I mean, it's so nice. Okay. to stay in shape. Okay. No, not that. To stay in shape. Water bottle. Okay. No. Logic. Oh. Okay.
A, B, L, M, P, R. A, B, L, M, P, R. L, P, M, P, R. Ok. Ok. P, R, P, L, M. Nice, nice, nice. Ah. Ok. PB A est égal à 4. Ok. Ok. Yeah, yeah, it is first room. I mean, nice. Well done. M, P, R, A, B, L. Comme ça. I'm doing some shit right now. Insane. PRBLM, c'est pas ça. M. It starts with M, so. It changed nothing. I'm just done. What the fuck am I doing? M. The operation room, okay. Oh, we did your map with Echo, I think. We did one map with 12 collaborators. It was like three rooms. We can choose. Well, yes, it was three rooms. Yeah, that's it. We did it. We already did it. We were stuck at the Jumanji, you know. What the hell? But yeah, those map was so cool. Those map was so funny. We take a lot of time and a good time. Thanks you all creators doing the stuff, because you're insane. You're fucking insane. But so many times of creation. Insane. So, my fucking puzzle. My fucking trap. A equals 4. So, I got it. But. At least I've got 5 letters. Oh, I got it. Okay, P was like 2. okay. Nice. A lot of reflections. Nice. 2, then RB, R3, B5. En vrai, Echo, super map, hein. En vrai, insane. LM 6-1. Got it. Let's go. Mais insane map. No, wait. He did a Aladdin costume. What? Oh, I didn't look at the screen. No, my god. I have to look all of his clips. But Welcome to the Internet is like one of my favorites. What's yours, French? Your favorite song?
of Bobby Nam. In fact, like, I mean, welcome to the internet, then All Eyes on Me. Then comedy, maybe. Comedy 2 or 3, I don't know. All Eyes on Me, then comedy, I don't know. But welcome to the internet, my favorite. Salutations Teslo, comment que ça va? No. Moi ça va bien Tesla, écoute, super journée. Funny feeling or comedy are like goodbye and FaceTime or two. Yeah, I heard like 5 or 6 of these songs because I was looking at the album, okay, before doing this stuff. Insane. Just like insane. Fresh au bout de sa vie. Mais tu m'étonnes que Fresh soit au bout de sa vie pour les OP conjointes. C'est un délire les OP conjointes. Ouais, yeah, Welcome to the Internet is an amazing song. I just discovered this artist because of this song, Welcome to the Internet. I was looking one of over Twitch and he was playing this stuff for trolling people. But this song is insane. Completely insane. Une heure de gagner, t'es une trolleuse flush. Mon dieu. Then, Mike. Where does I put the mic? My name is Mike. Just Mike. I'm like a fucking kid. Let's take this stuff. Where does is the mic? No, no mic here. Okay. Ah, j'ai trouvé le microphone du premier coup tout à l'heure, mais j'arrive pas à le retrouver. That's in the fridge, okay. seems logic. But I'm just asking, those pictures, where do you take them? C'est completely insane. In fact, what? Why did you take them? How did you get that? Ah, Mike, okay. No lights. Pas de couleur du coup. Je vais quand même laisser ça de côté. Non, inside, je vais le mettre dessus. Tout mort. Pas de couleur. Du coup, on avait dit là, tac, tac. Y a pas de couleur, c'est juste moi qui fais n'importe quoi. Pour éteindre ces lumières là, comment je vais faire? En vrai, même les placements, les mêmes que les vidéos, mais c'est fou hein. C'est juste the same place, that's insane. Look, that's the same. Insane. Oh, my big day. Your monster, okay. I have to find how to stop these lights. Ah, okay. Just one more.
My favorite day. Ah, let's go. Oh, we did it under the sea. Divish Diorama, Diorama, okay. We take notes to do this map later. So 21, okay. So 20 month August 8. Then 21. Okay. Ah, got it. Skip, because we got it. I mean, maybe. Yeah, we did under the sea like 3 or 4 days ago. But yeah, we especially like it. But it was a lot of fun. I interest you in everything, all of the time. A little bit of everything. Ah, insane! Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything, all of the time. Could I interest you in everything, all of the time? A little bit of everything, all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything, all of the time. Let's go! What a song! I love it. I love it so much. Thanks a lot. I'm just gonna do this map not for the gameplay, because I already know the gameplay after this, but only for music. So it's insane. You've got an album in one map, okay? One map, one album. That's the new game. What am I putting it? Oh. Okay, I got it. So I got Lion King, okay, but where did I put it? No. I got Beggars, but I don't think so. So the size of the bagel. Ah, okay. 6. So. Beagle 6, okay. We got the Lion King. I need one more. That's it. Oh, no. We can't have two in one. Like, two tape measure. Seems logic. I'm just a little being cheating. Ok, on y arrive, on est à la fin, hein. Dernier puzzle, on va y arriver. Donc du coup, 6 par 6 par 7 par 9, ok. 6 par 7 par 9. 6, 7, 9. Let's go. We got the guitar. Like this. Let's go. What song? No light, no effects, nothing. No. I only have to change that, but how do I do it? Just one. The phone buzz? No, I didn't. I didn't hear the phone buzz. It did. Wait. Really? Oh my god.
I'm so bad at this game. But I'm just asking myself why there is a fit like Aladdin costume, okay. Maybe for myself? No. I need some Aladdin stuff, okay. Just that one. I mean, maybe on the phone. Ah, okay. That's why the phone buzz. Okay. it's from the song. Probably it's just struck. Yeah. I can light it on fire. Wait a second. I have to try. No, you did it. Is it? I mean, this is related to songs. What songs? Which song is related? Cause I have to look at it. Aladdin. Which song of Bobby Nam? Wait. What? My God. Problematic. Okay, I'm gonna take a look just after the stream because I'm really interested in my English is okay. Pathetic. Okay. He thinks about burning the costume. Ah, so you really burned the costume, you? Yeah. Thanks. Oh, okay. I was just thinking about moving the pictures, but that's a little bit more complicated. Wait. No, I won't skip. I'm gonna do this. Oh. I just broke it. No! I broke it! No! Oh? Oh. No, that's my bad. I'm just spamming like a newbie. Yeah, it's a little buggy. It's completely normal, don't worry. It's just me, I'm just a little bit offensive on this phone. Not because this is Apple. I'm not using Samsung, okay? But I'm sure it works at all. Yeah, but look, we cannot expect too much. But yeah. I mean, you did a fucking great job. Seems normal. Nothing. Let's go. I'm interested in Mubuna more than before. Thanks, Mubuna, thanks. Oh, your kitty is in the bookin. Yeah. Nice. Some Easter egg. Yeah, so cute. What's his name? Or her name, maybe. Oh, you put his name on the book. Yeah. Winnie! Oh! What a nice name! I'm lying. Oh, I'm so happy because when I look at the cat, I know she's name is Winnie. She can't be named her name. She's like honey. Oh my God. Happy to fake 50% transparency. Oh, you enjoy Piano 2. I'm doing some Piano 2. Wait a second.
Oh, fuck. Wait. I'm trying something. I'm not gonna play piano, but... But I mean, at least I can do this. Wait a second. I'm doing this kind of stuff and some guitar, you know? I got one too. But I'm not playing a lot. Like my guitar, okay? I got one, but I'm not playing a lot. Looks okay stuff, okay. I feel because puzzle piece run away from the pile. Oh fuck! Fuck. It's a trap! It's a fucking trap. My god. Looks okay. I'm gonna run away. I'm gonna run fucking fast. Okay. Bye Winnie! Bye! Just picking this one on the piano. Up. No! Where? Oh, I'm fucking dumb. My god. Let's go! Oh, nice. Thanks, French Shoes. French chooser. Let's go. So oh, we can sing. But I'm not a good singer, okay? I don't sing very well. I'm not a good singer. I'll see you when I see you. You can pick the street. Nice, well played. Thanks for playing. Thanks for creating this map. I'm having a lot of fun, like 1 hour and 30 minutes, okay? Nice. Goodbye. Do I really have to finish? Oh, he's playing video games, you didn't see. Did I say that right? Animations are good. Does anybody want to joke when no one's insane laughing in the background? So this is how it I'm loving it. There's no way I can love this guy. To never go outside. Let's fucking go. I'm gonna tell my friends to try this map, because that's fucking insane, you know? But because of this map, I can't do my second map, because I'll be disgusted. I will do exercise, but after a map like this, I can't. I can't because I'm so interested in Bobinam and I have to look all of these videos, okay? Buggy multiplayer, but the divs. Yeah. I see this, and my friend Echo like told me not do this map in multiplayer because you better than me at inside. But no, that's a lie. But yeah, maybe a two guys map like this. Insane. It will be insane. No way. A map like this. On 5 stars, I mean 4.5, because everything is insane. Animations, music, creations, because you input in the game some content, like materials, pictures, song, okay? And maybe the 0.5 you lost is animations, not animations, like the multiplayer, like you said, maybe the phone, not because I didn't hear it, but because I'm a little bit too fast for the phone, so the phone lost the control.
In fact, I expect everyone loves the game. J'espère que tout le monde a apprécié le gameplay, le contenu. Thanks to French. Merci French pour l'aide que tu nous as apportée. On s'est beaucoup amusé. We had a lot of fun on your map. Thanks a lot. Continue to do this kind of stuff. Thanks my bro. Love you. Everyone love you. You're insane. Il est fou ce type. Allez l'aider. Jouez la map. Faites la map en masse. Do the map. Do a lot. Play this map. Play this map. You have to do it. That's insane. Écoutez Inside de Bob Burnham. Très bel album apparemment. Les clips sont fous. Et toutes les références qu'ils ont été achetées dans la vidéo justement. Dans le jeu. Il faut faire. C'est vrai que voilà, ça parle de bits et pour trouver des points informatiques. Eh ouais, gigabit, et ça parle pas d'octet. Everyone love you, yeah. See, everyone love him. Or maybe, we don't know. But everyone love French, okay? Insane creator, creating some content. Some good content, okay? Not like me. Take a look at the link tree of Team Tanuki in the comments. Thanks Flush. Merci Flush pour les liens. All of our content, our social networks. If you have to speak with us, we've got a Discord. Anything is in the link tree, okay? Tout dans le link tree, regardez. On a tous les liens sociaux, Discord. On a un Rankwan aussi pour ceux qui veulent voir les nouveautés, ce qu'on a fait, ce qu'on va faire. Tous les clips qui sont insane sur la Team Tanuki. Every clip on Rankwan. Let's go check it. Merci à tous pour le moment passé, j'ai beaucoup apprécié, c'était un moment fou. Thanks everyone. This moment was insane, incredibly insane. Et jamais j'oublierai ce moment là les gars. Sur ce, salutations, j'espère que vous avez aimé. Je vous mets un petit coup de Bob Burnham parce que bon, on reste dans le thème jusqu'à la fin. Et du coup dans le titre je me suis fuck parce que du coup il n'y a pas d'exorcist map. Let's go, have a good time. See you later on the next stream. Wait a second, attendez une seconde. Prochain stream, bah c'est moi demain. Resident Evil 4, Resident Evil 4, tomorrow. Yeah. With me again. Let's go. Comme par hasard, complotiste, comme dans le flambeau. Have a great time again. Enjoy your day. Have a good night, yeah, have a good night. And see you tomorrow. À demain tout le monde. Bonne nuitée. Salutations. Bob Burnham, c'est parti. The world is changing. The planet's heating up. What the fuck is going on? Rearranging. It's like everything happened all at once. What the fuck is going on? The people rising in the streets. The war, the drought. The more I look, the more I see nothing to joke about. Is comedy over? Should I leave you alone? Cause really, who's gonna go for joking at a time like this? Should I be joking at a time like this? I wanna help to leave this world better than I found it. And I fear that comedy won't help, and the fear is not unfounded. Should I stop trying to be funny? Should I give away my money? No. What do I do? Healing the world with comedy, the indescribable power of your comedy. The world needs direction from a white guy like me. Bingo. Who is healing the world with comedy. That's it. The world is so fucked up. Systematic oppression, income inequality, the other stuff. And there's only one thing that I can do about it.
while being paid and being the center of attention. Healing the world with comedy, making a literal difference metaphorically. A Jew walks into a bar and I've saved him a seat. That's healing the world with comedy. I'm a special kind of white guy. I self-reflected and I wanna be an agent of change. So I am gonna use my privilege for the good. Very cool, way to go! American white guys, we've had the floor for at least 400 years. So maybe I should just shut the fuck up. I'm bored. I don't wanna do that. Be another way, yes, for me to help out without standing on the sidelines. Never. The wait is over. I'm white and I'm here to save the day. Lord help me channel Sandra Bullock in The Blind Side. Sandra Bullock. Healing the world with comedy, making a literal difference metaphorically. And yes, most likely wake up in a house that's full of smoke, don't panic. Call me and I'll tell you a joke. If you see white men dressed in white cloaks, don't panic. Call me and I'll tell you a joke. Oh shit, should I be choking at a time like this? If you start to smell burning toast, you're having a stroke or overcooking your toast. If you wake up in a house that's full of smoke, don't panic. Call me and I'll tell you a joke. If you see white men dressed in white cloaks, don't panic. Call me and I'll tell you a joke. Oh shit. Should I be joking at a time like this? Somebody help me out, cause I don't know. And I wanna help to leave this world better than I found it. And I fear that comedy won't help, and the fear is not unfounded. Should I stop trying to be funny? Should I give away my money? No. I know.